Bienvenue à tous. Ouah, je suis bugué de ouf. Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo toute sympatoise, comme vous avez vu dans l'avatar. Nous allons parler des lanternes, de l'éclairage francilien de Paris. Parce que je vous garantis, j'ai beaucoup de choses à vous dire. On a fait une vidéo il y a une paire d'années sur l'autre Otakat, vous savez, avec les Aztecs Fritton for the Meilleur. Et j'ai une personne, le C63 AMG, qui m'a contacté il y a déjà un petit moment. Et il m'a proposé de faire un style de vidéo pareil, mais sur l'éclairage public francilien, de tout ce qui est autour de Paris. Je vais vous expliquer après, justement, le bout du gras. Je vais vous dire ce qui nous a marqué. Alors du coup, salut Julien, j'ai beaucoup apprécié ta vidéo sur l'autoroute A4. Même si on ne pourra pas aborder toutes les autoroutes de France, je pense qu'il serait intéressant d'en aborder quelques-unes. Particulièrement les autoroutes franciliennes, l'A86. Sur l'A86, les dernières sections éclairées ne le sont plus depuis 2010-2011. Ça c'est sûr. En raison d'une décision contre la pollution lumineuse, les économies d'énergie et la réduction des accidents. Absence d'éclairage favorisait la concentration des automobilistes selon certaines études. Mais il est important de souligner que la section nord aux alentours de Saint-Denis et la Courneuve n'étaient plus éclairées depuis longtemps. Des décennies. Je me demande bien jusqu'à quand la partie nord des SHP Schrader-X était encore allumée. Sur l'A3, l'histoire est plus gros au remboursement depuis des décennies. À l'origine, la construction de l'autoroute et de son échangeur en 69, la section porte de Bagnolet échangeur inclus jusqu'à Rosny-sous-Bois était équipée de BF avec des Capella et R4. Sur le long de l'autoroute, ces dernières hors zone échangeur ont été remplacées vers 98 par des Schrader-RX. Avec des mains en hauteur de petits couvercles. Tandis que la section de Rosny-sous-Bois jusqu'à Roissy, fin de la 3, était toujours équipée en SHP, mais avec des Schrader RX, mais en mât plus haut, sans couvercle. Vers 95, il me semble que l'éclairage du pont de Bondy-Roissy a cessé d'éclairer. Les candélabres ont été, retirés au début des années 2000. Cependant, sur la section Rosny-sous-Bois-Bondy-éclairage, a été coupé, je crois, vers 2007. Trop vétuste pour être entretenu, sûrement, mais les candélabres sont toujours là, rongés par la rouille. Mais beaucoup d'ampoules étaient déjà mortes et plus renouvelées depuis longtemps. Au niveau de l'échangeur de Porte-Bagnolet, les BF Capella RR4 en version unique sont toujours présentes, mais également rongées par la rouille et ne sont plus allumées depuis longtemps. Les dernières ampoules fonctionnaient encore jusque dans les années 2000, début des années 2000, mais beaucoup étaient mortes et non renouvelées. La dernière section était éclairée par l'autoroute, celle de Bagnolet et Rosny ont été. L'éclairage avait été changé en 98, n'est plus éclairé depuis 2012. Décision des sociétés gérantes, des autoroutes, vandalisme, des câbles, aucune idée. Aujourd'hui, l'éclairage de l'A3 est en état de délabrement et dévisté. Les câbles ont été arrachés depuis des années maintenant au plaisir des voleurs de cuivre qui revendent ça au prix fort pour faire de l'argent. Alors sachez quand même une chose. C'est très intéressant ce qu'il en a parlé, parce que c'est vrai que là-dessus, on n'a pas beaucoup parlé des portes bagnolées, machin. On va en citer quelques-unes dans la vidéo, parce qu'il y en a 3 tonnes à chaque fois, il y a beaucoup de plaines luminaires. On va faire vraiment au style non exhaustif, hein, bien sûr, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à découvrir. Bien sûr, ça fait plaisir. Donc du coup, moi, après, ce qu'il fait, c'est que je vais vous dire un peu le truc. Donc, je peux le citer. Tu as aussi les pylônes d'éclairage au niveau des échangeurs de bagnolets, équipés de lampes mercure version réflecteur. Ah bon ? Équipement de mercure version réflecteur. Tu peux trouver le catalogue sur le site de Fosagora, tu connais bien le même des images d'échangeurs de les bagnolets. Ces pylônes au nombre de 3 ou 4 installés en 69 n'ont plus été entretenus des décennies qui ont suivi. Depuis les années 99, peut-être avant, ils n'éclairaient plus et ils étaient déjà en état de rouille avancée. J'ai vu une photo sur internet de l'endroit l'hiver 2006, un des pylônes avait encore un ou deux ampoules en fonctionnement. Ces pylônes ont été remplacés récemment en 2017, un article de Ligne du Parisien en avant parlé. J'avais cru que ces LED étaient, il me semble, que les... Oh là, je suis fatigué. Mais il me semble qu'ils ont plutôt choisi les SHP. Sans doute que les LED ne sont pas performantes pour l'équivalent des SHP 400 à 1000 watts. Pour l'installation des grandes hauteurs. Donc ils n'ont pas voulu prendre les risques. Autre pylône au niveau du pont de Bondy. 4 pylônes au niveau de l'échangeur donnant accès aux communes de Bondy, Bobigny et Noisy-le-Sec. Mais avec des projecteurs en SHP, qui aujourd'hui ne sont plus entretenus et qui n'éclairent plus la nuit. Je me rappelle quand j'étais petit, les dernières fausses ampoules fonctionnaient encore en 2005, mais beaucoup étaient déjà mortes. Je vous expliquais déjà que j'avais du mal par rapport à mon aphasie de parler en même temps de lire, c'est très compliqué pour moi.
Bref, et donc du coup, ce qui fait, ça m'en parlait un petit peu vite fait de certaines portes que j'adore le plus, comme la porte Bagnolet ou la porte qui est dans le nord de Paris, qui a Saint-Denis. Justement, il y a quand même pas mal de lanternes dans l'autoroute A86. Alors, je vais faire un petit peu le tour, justement, on va parler sérieusement, je vais le mettre bien comme il faut, voilà. Donc déjà, moi, pour ma part, l'autoroute A86, on va parler aussi du boulevard périphérique aussi. Et entre les deux, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à découvrir sur l'autoroute et le boulevard périph. Sachez que déjà dans les années 60, 70, voire même 80, on avait l'occasion de trouver pas mal de Schrader, pas mal de BBT, Sony Duval et Eclatech. Alors déjà, on avait pour la plupart du temps du Eclatech, par exemple la Aztec, hein. Donc, si vous voulez, je vous montre des images là, si vous voulez, une Aztec, donc ça c'est traditionnel l'autoroute A4. On avait des Capella, donc les Capella, je ne me rappelle plus c'est quoi la différence, je vous voyais en image, qui éclairait entre le boulevard périphérique et l'autoroute A4, donc le long justement de la Seine. Après, nous avons les Sony Duval Vega. Les Sony Duval Vega, c'est ceux qui sont au port justement, c'est pas Châtelet, j'ai plus tout au nord de Paris, au niveau l'autoroute A1. Donc là, c'est les fameuses Sony Duval Vega 4 que je connais très bien, que j'ai pris en photo. Hein, voilà. Donc après, nous avons, je vous ai montré là justement. Nous avons aussi à notre endroit, par exemple, des RHC3. Les RHC3, justement, c'est le niveau du marché de Rungis. Le marché de Rungis, les RHC3, c'est assez connu. Hein. Les RHC3, c'est des fonts d'alu, c'est du Sony Duval, hein, comme les Sony Duval Vega. C'est vraiment du Sony Duval. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que déjà, on voit que Sony Duval était beaucoup incrémenté ainsi que Schrader. Parce que Schrader a repris aussi comme Matelec, le Sony Duval. Donc du coup, comme Matelec a repris certains modèles comme la Capella, qu'on va en parler juste après pour Bagnolet. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que les RHC3, il y a deux versions là au marché de Rungis. Donc du coup, c'est assez difficile à connaître un peu la différence, mais c'est au niveau du bas où il y a la bride qu'on voit la différence. Après, nous avons également donc la porte Bagnolet avec les Schrader Capella double foyer ou simple foyer. Nous avons aussi les Philips Sephore, aussi traditionnels. Ça par contre, les Philips Sephore, c'est une application spéciale qu'on n'a aucun document dessus. Hein, bon, généralement, une application spéciale n'a jamais, rarement des applications, des docs dessus. Alors sachez quand même qu'une chose, c'est que la porte Bagnolet, comme expliqué, ça c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de vétusté là-bas. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'à la porte Bagnolet, j'ai fait un tour, j'ai fait des photos. Et ben, on va dire la plupart des éclairages de niveau de l'échangeur. Il n'y a plus aucun câble. J'ai été voir sur l'échangeur, il n'y a plus aucun câble. C'est-à-dire que déjà, tout l'éclairage est complètement voué à être éteint définitif. Donc, après, je ne me rappelle plus les fameuses qui m'a expliqué, je sais pas s'ils y étaient, j'ai pas fait gaffe, les quatre grands pylônes justement de ça. Alors, justement, est-ce qu'il y a des pylônes d'éclairage au niveau de l'échangeur de Bagnolet? Je ne me rappelle plus, je ne les ai pas vus ou je ne sais pas, je regarderai plus tard. Mais c'est pareil, ces trucs-là, la plupart des projos, et je ne parle pas que de Porte Bagnolet, la plupart existent encore des grosses herses de Projo, je sais pas si vous aimez, et des grosses couronnes à certains endroits, comme quand on va sur Orly, il y a des gros pylônes avec des grosses couronnes de Projo dessus. En fait, dans Paris, en fait, ils éclairaient beaucoup pour éclairer, en fait. C'est vraiment dinguerie. On a aussi le pont de Saint-Cloud avec les BBT Gemini. On a aussi, par diverses occasions, les fameuses BBT KG1000, alors ça c'est toute une référence que je connais depuis tout gamin. Nous avons aussi les BBT AJ700, ou qui avait qui éclairait jusqu'en bas de l'autoroute du Sud, donc ça c'est bien, ça fait plaisir. Nous avons, je crois que c'est l'autoroute, non pas A7, je sais plus, je crois que c'est l'Atlas 6 ou un truc comme ça, l'autoroute du Soleil qui descend jusque dans le Sud en passant par Paris. Nous avons également, je crois, si je me rappelle bien, nous avons aussi. Nous avons aussi. Donc là, nous avons la Sony Duval. Je suis en train de réfléchir de ce qu'il y a parce qu'il y a vraiment pas mal de luminaires. Nous avons les Philips Sephore, les Capella. Nous avons la vue Schrader arrachée. Aussi beaucoup de Schrader Z dans le sud où il y a Rungis, parce qu'il y a aussi des Schrader Z. Les Z2, justement. Ben, la plupart, ils sont comme tout est équipé en PMA. Donc c'est plus facile, on va dire, pour on va dire, transbahuter les mâts rapidement et surtout les lanternes, même si elles sont ouvertes, on s'en fout. C'est ça qui est bien. Nous avons aussi les redoutables Schrader RX aussi du nord du boulevard périph ainsi que de la 86 où qui a justement le Stade de France. Beaucoup de Schrader RX, ça fait plaisir. Le boulevard périph, il y a aussi pas mal de vieilleries, pas mal de boulevard périph.
Il y a aussi de la AGS, il y avait de la EZ, il y avait de la. Il y avait aussi comment. De la Elan, il y avait de la Essor, il y avait ça, il y avait plutôt de la Essor, hein, plutôt. Il y avait aussi de la Elan, si je me rappelle, je crois. Il y avait ça, il y a aussi de la Eclatech, aussi de la grosse Eclatech 1337. Je sais même plus si c'est vraiment de la 1337 ou d'un plus gros modèle. Il y avait aussi. Après, on va pas parler des ponts non plus, parce que des tunnels, il y en a plein. D'un autre côté, bon, après, il y a aussi, côté pont Bois de Boulogne, du côté ouest de Paris, il y a aussi du Saulnier Duval, aussi, bon, on va dire de la RHC3, il y en a aussi. Rarement de Z, mais après, je sais pas trop vraiment ce qu'il y a vraiment dans l'éclairage. Du côté du pont Maillot, du pont de. Non, pas le pont Chaillot, le pont de Maillot, ouais. La porte Maillot, pas le pont, le porte Maillot. Il y avait pas mal de. Pareil, des couronnes aussi, hein. Il y avait pas mal de vieilleries aussi, ça dégageait depuis longtemps. Après, aussi, j'ai complètement zappé d'en parler. Avec les BBTK-G1000, les Saulnier Duval Vega, ou les Eclatech Aztec, ou les machins. Et il y a aussi les Eclatech MR-140. Les fameuses Eclatech redoutables, mais vraiment, c'est vraiment une dinguerie, j'en aurais jamais vu de ma vie, à part un seul endroit au niveau de TF1. Des Eclatech MR-140 qu'on pouvait monter jusqu'à BF1000 facilement. Ça devait être une grosse dinguerie à l'époque quand même. Et franchement, quand on voit tout ce qui a été remplacé au fil du temps, parce qu'on va dire que la plupart du temps, tout a dégagé. Ouais, on va dire tout a dégagé au fil du temps, oui. Parce que déjà, la première chose, ça a équipé en LED, ou la deuxième chose, c'est complètement à l'abandon, donc du coup, ça a été viré. Mais il y a des endroits où il y avait pas mal de points lumineux, que je me rappelle, qu'on m'a expliqué à l'époque, qu'il y avait une route, je sais plus où que c'était, où qu'il y avait plein de Shredder RHC3 sur des mâts un peu comme ça, penchés comme ça, tout a dégagé. Après, il y a pas mal de styles de Projo, par contre, je vous dis, je reviens dessus. Les courants de Projo, la plupart étaient éteints récemment. Mais il y en a qui fonctionnent encore à certaines occasions. Ça fonctionne encore parce que c'était retapé à des millions. Et je pense que là, à mon avis, ça va plus exister tout ça. Mais le problème, c'est pourquoi que tout était encore là. Je ne sais pas pourquoi que tout l'éclairage public francilien est toujours là. Alors que ça fait des années, comme disait justement SC63MG, que l'éclairage, la plupart des lampes n'ont pas été remplacées depuis les années 2000. Donc ça fait 22 ans. Donc on imagine quand même que c'est-à-dire qu'il y a un gros laisser-aller depuis des années, parce qu'à mon avis ça devait leur coûter un rat, un rein ou un bras, parce que remplacer les lampes sur une autoroute fréquentée comme pas possible, c'est très cher, parce qu'il faut bloquer une portion de route, il faut bloquer une voie d'accès, il faut bloquer un pont, il faut machin. Ça devait être très compliqué dans les années 90-2000, même 2010 ou même 2020, à renouveler, sachant qu'il y a aussi des voleurs de cuivre aussi qui piquent les câbles en veux-tu en voilà. Des transfos qui alimentent complètement des armoires entières, tout a été vandalisé, donc c'est-à-dire que ça retarde la maintenance, tout ça. En fait, le problème, c'est que le boulevard périphérique, c'est un des seuls qui est assez exploitable et qui fonctionne encore, à de rares occasions, bien sûr. Maintenant, tout est passé par de la Enza, maintenant, c'est de la Shredder Ampera ou de la Indal Luma, hein, c'est complètement différent. Il y a encore quelques qui résistent, comme le port de Bagnolet, tout est à l'abandon depuis des années, ça fonctionne plus depuis des années. Donc ça, t'es sûr et certain que ça fonctionnera plus. Jusqu'à temps qu'ils vont dire, bon, on va tout faire tomber, comme ça dégagera. Pour l'instant, on n'a pas de dossier, on n'a pas de personne qui puisse me certifier que l'éclairage va tomber un jour. Les Aztèques de l'autoroute A86 et l'autoroute A4, la plupart sont tellement vétustes qu'ils se décrochent tout seuls. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà eu deux Eclatech Aztèques double foyer qui sont tombés tout seuls par terre. Imaginez-vous le bestiau sur une bagnole. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, l'éclairage francilien, une vétusté depuis les années 60-70, elle n'a pas été renouvelée proprement. Vous imaginez qu'actuellement, ils sont en train de remplacer des lanternes. C'est bien, mais avec une vétusté du réseau tellement inimprobable. C'est-à-dire qu'en fait, le réseau continue à merder. Les pilleurs continuent à piller le cuivre. Donc la lanterne neuve, des fois, fonctionne plus depuis des années. C'est assez compliqué, c'est vrai qu'on peut en parler pendant des heures sur ça. Et c'est vrai que sur le truc en question, sur les années 60, à l'époque on s'en foutait, comme j'avais expliqué dans une vidéo, que dans les années 60 on mettait de la BF1000, BF700, BF400, SHP250, SHP1000. On s'en foutait royalement de l'économie d'énergie. Maintenant c'est tout le contraire. Maintenant
Le moindre 400 watts, ça dégage. Maintenant, c'est de la LED. Mais c'est vrai que sur le coup, il y a des lanternes LED ou des projo LED qui sont pas assujetties, qui sont pas adéquates pour l'éclairage public d'autoroute ou l'éclairage d'autoroute directement, ou même des échangeurs. Hein, parce que la plupart des projo, maintenant, on commence à avoir des projecteurs comme le Shredder. Shredder commence à avoir des projos assez puissants, hein, en termes de puissance lumineuse, par rapport à un éclairage. Parce que là, actuellement, nous avons des Shredder qui remplacent les fameuses lanternes, les projos du stade Paul Chandon d'Épernay. Donc on passe de 16 projos à une dizaine de projos, même un peu moins, 8 projos, je crois, facilement en LED, et avec la même efficacité lumineuse et le même rendement lumineux. Dans le même lumen, donc c'est-à-dire quand vous imaginez quand même la puissance de la LED, ça a quand même évolué au fil des temps. Mais pour un échangeur, parce qu'un stade Paul Chandon, le stade de foot, c'est différent, mais un échangeur d'autoroute, c'est assez complexe parce que c'est pas un flux dirigé qu'il faut, c'est vraiment un flux vraiment bien large. Et ça, le problème, c'est que je ne sais pas si vraiment l'éclairage LED actuellement fonctionnerait bien sur des échangeurs aussi volumineux, parce qu'actuellement, on peut regarder. En Belgique actuellement, en exemple, en Belgique, eux, ils ont fait ça, ils ont fait une route entièrement LED et sur le côté toujours des GSO. Sauf que le problème, c'est que tout est en train de changer aussi. Et le problème, c'est que c'est des échangeurs, mais bien triés. C'est pas partout. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là actuellement, nous, c'est des grosses herses qui éclairent l'entièreté de l'échangeur. C'est pour ça qu'il y en a partout. Surtout quand on va du côté de Rambouillet, du côté du sud, où il y a la 86 pour la direction. On va dire du marché de Rungis. Tous ces endroits-là, il y a des quantités de pylônes, des quantités impressionnantes, c'est des champignons, des arbres, on dirait en pleine forêt. Et le problème, c'est que c'est des projecteurs en SHP 1000. Va remplacer des centaines de projos comme ça, en SHP 1000, par de la LED. Première chose, ça coûterait déjà un rein déjà d'installer autant de luminaires, de projos LED. Mais il faut aussi entretenir le matériel, parce qu'il y a aussi des projos, mais il y a aussi la herse. La plupart des herses descendent, des trucs escamotables qui descendent par chariot. Le problème, c'est qu'il y en a certaines, ils sont tellement vétustes, ils se mettent en sécurité. Il y en a un que même Jérémy m'avait expliqué, qu'il y en a un qui s'est décroché, qui s'est mis en sécurité. Donc le truc, il a descendu 2,50 m, il s'est resté accroché comme ça, tellement que le truc est vétuste. Donc le problème, c'est que les câbles sont embarqués, la vétusté des herses, parce que c'est dangereux. Bon, si les herses descendent plus, il faut qu'ils montent en nacelle, sauf que ça coûte un rein de monter en nacelle sur une machine qui fait au moins 32 mètres de haut. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bloquer certains axes de la rue, de l'avenue, pas de l'avenue, de l'autoroute. Ça, c'est quand même un peu assez perturbant là-dessus, parce qu'on peut se dire que ça coûterait un rein de tout remettre à zéro. Bon, après, point de vue énergétique, la LED, ça peut se faire. Mais c'est les travaux de rénovation entière des autoroutes, ça coûterait trop cher à refaire. C'est pour ça que actuellement, ça coûte même déjà trop cher à tout désinstaller. Vous imaginez le temps que ça prendrait à tout désinstaller, ça prendrait un temps fou. Donc c'est pour ça qu'actuellement, tout reste à l'abandon, tout reste, on dirait, stocké sur leur mât, complètement abandonné au fil du temps. Ça tombera au fil du jour, au fil du lendemain, je ne sais pas. Donc là, c'est une petite vidéo qui va se toucher à sa fin, parce que ça fait quand même déjà un peu moins de 20 minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc du coup, le M663MG, la vidéo elle est enfin faite. Donc si tu as plus d'infos, envoie-moi en commentaire ce que je peux refaire, une deuxième vidéo, une deuxième partie de cette vidéo-là. Mais franchement, c'était un régal de vous avoir partagé pas mal de luminaires. Surtout que la EZ, c'est un grand classique. Après, comme je vous disais, il y avait pas mal de trucs, la Furio, la Falco. La Enza, tout ça, ça a remplacé tous les modèles. Il y avait aussi la Shredder Onyx, je vous ai oublié de dire. La Shredder Saphir. Il y a eu plein de modèles qui ont remplacé les anciennes lanternes. Il y en a plein, en fait. Il faudrait vraiment que je fasse une vidéo où je prenne tous les modèles différents. Donc, franchement, ce serait un gros délire. Mais bon, j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah. Franchement, ça doit faire un sacré temps que l'éclairage public en BF 1000 watts n'existe plus. Ça fait pas faux.